Bonjour à tous et bienvenue sur le cahier du pianiste. Aujourd'hui, nous allons travailler le morceau Trouble de Coldplay. Alors, c'est un morceau très intéressant. On a deux dièses à l'armure. On va travailler beaucoup les quatre doubles croches. Ensuite, on a plein de petites positions un petit peu pourries. Hein. Pardonnez-moi du terme. Mais on a donc la position de si mineur, qui est donc une position où on a le cinquième sur une touche blanche et le pouce sur une touche noire. Et ça, c'est pas des positions qu'on aime beaucoup. Ensuite, on a une petite syncopette, donc mesure 19, deuxième page. On a plein de bonnes difficultés. On a beaucoup de rythmes différents. Le morceau est assez long, hein, puisqu'on a une grosse reprise de toute la première partie avec l'introduction. Donc la première partie, évidemment, avec l'introduction. Première partie. Mesure 5. Donc tout ça, ça va être jusqu'à la mesure 12. Ensuite, troisième partie avec la double barre. Voilà, donc on va travailler tout ça. Eh bien, on est parti. On commence. Donc la position de départ, c'est celle-ci. Si, ré, mi, fa dièse, sol. Et là, j'ai tout sous les doigts. Et enfin, je vais me mettre en position de si, do, ré, mi, sol. Alors vous allez me dire, oui, mais normalement on devrait avoir le do dièse. Oui, mais vu qu'on joue jamais le do dièse, pourquoi est-ce que je vais m'embêter à mettre un quatrième doigt ici alors que je peux le laisser là? Bah oui, il n'y a pas besoin de s'embêter. Alors, à la main droite. Donc on fait attention. Fa, sol, fa, ré, si. Fa, sol, fa, ré, si. Fa, sol, fa, ré, si. Et ensuite, on garde exactement la même position pour si et pour ré, mais hop, je me décale ici. La, sol, fa, ré, si. C'est tout. Donc on passe de là à ça. Simple. Donc la main gauche, sol, mi, mon pouce se déplace, si, ré, fa dièse, sol, mi, si, ré, fa dièse, tout simplement. Je vais donc vous jouer l'introduction à 60 à la noire. 1, 2, 3, 4. Alors juste une petite note pour les débutants, bien entendu vous avez une interdiction formelle d'avoir des quatre doubles pas tout à fait propres sur les temps. Vous devez pré-compter 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Interdiction de me faire. Ça, c'est pas du tout bon. Bien entendu, ça s'entend tout de suite.
Vos 4 doubles doivent être propres dès le début. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Si à la voix vaut 1, 2, 3, 4, c'est-à-dire que si tous vos 1 ne tombent pas sur le clic, il n'y a aucun intérêt de démarrer. 1, 2, 3, et par exemple, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et là je sais que je suis bon. Bon voilà, ça c'était juste la petite aparté. On continue mesure 5 après la double barre. Sol, Mi, Si, Ré, Fa dièse. Bon là il n'y a rien de nouveau. Fa bécard, La, Sol, Mi, Si, Ré, Fa dièse. Donc en gros, qu'est-ce que je dois repérer? Que mon deuxième doigt ne bouge pas. À partir de la mesure 5, Sol, Mi, Si, Ré, Fa dièse. Fa, La, Sol, Mi, Si, Ré, Fa dièse. Mon deuxième doigt est donc mon point de repère sur cette main gauche. Maintenant la main droite. Ré, Si, Ré, Fa. Bon ben là quand même c'est pas hyper original. Sur un accord de Si mineur, on joue les notes de Si mineur. Ré, Si, Ré, Fa. Et ensuite, Si, Ré, Do, 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 Si, Do, 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 Si, Do, Ré, Si. Si, Ré, Si. Ré, Si, Fa. Avec le cinquième. Si, Ré, Do, Do, Si, Do, 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 Ré, Si. Et après on retrouve Fa, Sol, Fa, Ré, Si. Alors je vous joue cette main droite à 60 à la noire sans la main gauche parce qu'il faut que cette main droite soit propre tout de suite. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1. Vraiment, je vous assure, la main droite, il faut qu'elle soit propre toute seule. Maintenant, la même chose, à 60 à la noire, mais avec la main gauche. 3, 4. Petit oubli, à la mesure 10, deuxième, à la deuxième blanche à la main gauche, n'oubliez pas le quatrième doigt sur le La, marquez-vous-le en rouge, c'est un petit déplacement très important. Donc on va pouvoir passer à la deuxième partie, et surtout nous allons donc passer de la mesure 9, 10, directement à la mesure 12. Donc voici ce que ça donne. Là je suis mesure 12. Là, on y est. Nous allons maintenant regarder la main droite de la deuxième partie. La difficulté, il y en a deux, c'est d'abord ce petit quart de soupir avec trois doubles croches. Encore une fois, il faut compter. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Vous avez compris ? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. C'est ça le plus important. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, etc., etc. Et enfin, donc je vais tout de suite attaquer la grosse difficulté, c'est la mesure 19 à la main droite. Il y a une syncopette, on a 4 redoubles, une croche pointée double et une syncopette. Donc là, autant dire, c'est festival. Donc je reprends dernier temps de la mesure 18 pardon, pour avoir le Si là. Je vais donc vous jouer cette main droite à 50 à la noire. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Même chose sans compter. 3, 4. Après, c'est toujours la même difficulté à la main droite. Donc, c'est quart de soupir, 3 doubles. Et ce petit déplacement, mesure 19, avec les petites difficultés rythmiques. Donc, on compte les doubles. À la main gauche, donc pour cette deuxième partie, La Do dièse Mi, La Mi Sol, Si Mi, La Do dièse Mi, La Mi, et on répète le Mi, Mi Ré Do Si La,
Et j'aimerais bien entendre. Et non pas. Ça, c'est beaucoup plus moche. Ça, c'est moche, puisque le son se coupe, il n'y a pas de raison. Ça, c'est beaucoup plus joli. Et ensuite, ça se répète. Là, on n'a pas le choix, en revanche. Vous voyez, là, il y a la coupure. Heureusement, on aura la main droite. Là, il n'y aura pas de souci. Je vous fais donc cette deuxième partie à partir de la mesure 12 jusqu'à la fin à 60 à la noire. 3, 4. C'est vraiment un très bon morceau avec deux dièses à l'armure, plein de difficultés rythmiques différentes. Donc attention, le morceau est long si on veut le faire avec la répétition, et c'est plutôt ce que je conseille. Mais si vous devez le travailler en entier, travaillez-le sans la répétition, j'entends bien pour le travail. C'est-à-dire de bien vous entraîner à faire la deuxième fin et surtout à vous entraîner à faire la fin en le disant à l'avance. C'est-à-dire que je dis, je fais la première. Donc je reprends mesure 10. Ok, je reprends là, et là je vais à la deuxième fin. Faut que sur commande vous puissiez aller première fin, deuxième fin. Vraiment, ça, ça doit être. C'est toujours les transitions, bien sûr, la difficulté. Voilà, bah, je m'arrête là. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à poster un petit commentaire s'il y a quoi que ce soit. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau morceau. Ciao!